Ça y est, c'est l'automne, donc c'est le moment pour moi de me retrouver en forêt pour aller observer le cerf. Me retrouver seul avec lui dans son milieu naturel, sans qu'il puisse me voir, me sentir et m'apercevoir. Eh bien bonjour. Alors dans cette vidéo, ça va être une vidéo sur l'automne. En réalité, je ne peux pas m'en empêcher de le faire parce que c'est la période du brame du cerf, donc il faut absolument que j'aille à la quête, à la rencontre du cerf. Mais à l'avenir, je vais réaliser d'autres vidéos sur le matériel de bivouac, sur la réalisation de feu par friction et plusieurs explications du matos. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est à venir pour l'hiver. L'hiver, j'ai un peu plus de temps, j'aurai le temps de pouvoir réaliser des vidéos. Ici, je suis à l'entrée du bois parce que sinon, je vais me faire entendre. Et si je me fais entendre, ils vont se barrer. Donc évidemment, faites le plus discret possible. Mais l'avantage de la pluie, c'est que quand on marche sur la feuille morte qui a son huile, on n'entend pas. Et ça, c'est important. Et c'est beaucoup plus facile à distinguer les empreintes d'animaliers. Donc je suis venu sur les lieux faire du repérage pendant plusieurs jours. Donc je connais déjà un peu le terrain ici, je sais qu'il y en a. Ça demande beaucoup de temps. Et vu que je fais de la photographie animalière aussi, eh ben j'en profite pour passer ça par vidéo et de le mettre en image et en œuvre. Moi je trouve ça magnifique. Bon allez, c'est parti, j'enfile le matos de camouflage. Alors si je peux vous conseiller un truc, moi ce que je fais, tout ce qui est vêtements de camouflage, je les mets dans un sac poubelle rempli de feuilles mortes et de branches. Comme ça, ça prend l'odeur de la faune. Bon allez, j'y vais maintenant.
belle surprise apparaît devant moi. J'aperçois une famille de dindes derrière le ruisseau à gauche, occupée à prendre le repas du matin. Finalement, je n'aurais pas vu de cerf ce jour-là, mais décide de revenir le lendemain. Coup de chance pour moi, en arrivant sur le chemin au matin, je tombe sur deux biches, et c'est à ce moment-là que je décide de me mettre sur le côté et d'attendre. Après une bonne journée d'observation, le soir arriva. C'est le moment de souffler un peu et tout à coup... Les heures d'attente et la patience auront fini par porter leurs fruits.